Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos de biologie. Cette série constitue le chapitre 4 consacré au système immunitaire. Et chacune de ces vidéos présentera la réponse à une question qui concerne le système immunitaire. La première question de cette série est la suivante. Qu'est-ce que l'immunité La pandémie mondiale de COVID-19 qui vient de bouleverser notre planète est due à un coronavirus qu'on appelle le SARS-CoV-2 ou coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. Cette pandémie vient nous rappeler notre fragilité face à des agresseurs qui sont invisibles à nos yeux tels que les virus les coronavirus constituent une immense famille de virus des virus formés par de petites sphères dont le diamètre moyen est proche du dixième de micromètre rappelons qu'un micromètre est un millième de millimètre par comparaison la taille moyenne d'une de nos cellules est de l'ordre d'une dizaine de micromètres le terme de Coronavirus vient du latin qui signifie virus à couronne, parce qu'en microscopie électronique, on peut observer à la périphérie de ces virus une sorte de couronne dont la nature est protéique. Les virus ne sont pas des cellules et ils ne sont pas considérés comme des êtres vivants. Les virus sont des agents infectieux incapables de se reproduire tout seuls. Il leur faut infecter un être vivant pour pouvoir se multiplier. Et pour qu'un virus puisse se reproduire, il lui faut donc parasiter une cellule dont il va détourner la machinerie afin d'obliger cette cellule à fabriquer de très nombreuses copies de ce virus, copies qu'on appellera des virions, c'est-à-dire des particules virales infectantes. La cellule parasitée par le virus va consacrer ainsi toute son énergie à produire les molécules virales et à les assembler pour former des virions. Et ainsi, de très nombreux virions vont s'échapper de la cellule parasitée, entraînant la mort de cette cellule. Et chaque virion pourra, à son tour, infecter une autre cellule de l'organisme. L'air qui nous entoure est occupé par une immense population virale. Ainsi, dans un seul mètre cube d'air, on trouve entre 2 et 40 millions de virus. Et chaque minute, nous en inhalons environ 200 000 ans. Notre corps abrite environ 300 millions de virus. Et parmi les très nombreuses espèces virales, une centaine d'espèces sont pathogènes pour l'homme, c'est-à-dire responsables de maladies comme par exemple le virus de la Covid-19, le virus de la grippe, le virus Ebola ou encore le virus du sida. Notre environnement est également peuplé d'une myriade de bactéries. Dans un seul mètre cube d'air, on trouve entre 1 à 11 millions de bactéries. Et notre corps abrite environ 40 000 milliards de bactéries, alors que le nombre de nos propres cellules formant notre corps est de 30 000 milliards. Notre corps contient donc plus de bactéries que de nos propres cellules. Chaque centimètre carré de notre peau peut accueillir jusqu'à 10 millions de bactéries. Les bactéries sont des micro-organismes. Formés par une seule cellule. Les bactéries sont des prokaryotes, c'est-à-dire des cellules dépourvues du noyau et dont la structure est très simple. La taille moyenne des bactéries est de l'ordre du micromètre. Et parmi les bactéries pathogènes pour l'homme, on peut par exemple citer Vibrio cholerae, une bactérie qui a la forme d'un bâtonnet incurvé et qui est responsable. Du choléra. Cette bactérie libère une toxine qui va affecter le fonctionnement de nos cellules intestinales, provoquant d'importantes diarrhées et conduisant à une déshydratation sévère. Comme pour les virus, il existe de nombreuses bactéries tout à fait inoffensives pour l'homme et certaines bactéries sont même indispensables au bon fonctionnement de notre corps, comme par exemple les bactéries de notre flore. Intestinale. Notons que certains virus nous sont aussi utiles. Ainsi, des virus qu'on appelle des bactériophages peuvent nous protéger en détruisant des bactéries qui nous sont nocives. Parmi la multitude de micro-organismes qui peuplent notre environnement, certains ne sont ni des virus, ni des bactéries, mais des cellules eucaryotes, c'est-à-dire des cellules pourvus d'un noyau et qui sont à la fois plus grandes et plus complexes que les cellules procaryotes un exemple de micro microorganisme eucaryote unicellulaire c'est-à-dire formé par une seule cellule est celui du plasmodium falciparum un parasite responsable chez l'homme du paludisme ce parasite est transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique l'anophele femelle le Plasmodium passe ainsi de la salive de l'anophèle femelle au sang de l'homme et ce parasite se trouve alors au stade sporozoïte, stade qui est visible ici. Le sporozoïte a la forme d'un fuseau et il mesure 10 à 15 micromètres de long. Le parasite va continuer son cycle de vie chez l'homme en envahissant les cellules du foie puis en envahissant les globules rouges, provoquant finalement à la fois l'éclatement des globules rouges et la libération de toxines. Le nombre de globules rouges diminue alors fortement dans le sang du porteur. L'anémie qui en découle est grave et elle peut être mortelle, par exemple chez les enfants. Un autre exemple de micro-organisme eucaryote unicellulaire est celui des levures. Les levures sont des champignons unicellulaires pouvant provoquer la fermentation de matières organiques. Les levures sont par exemple employées pour la fabrication du vin ou de la bière ou bien pour faire lever la pâte à pain. Certaines levures sont pathogènes pour l'homme. C'est le cas de Cryptococcus neoformans dont les cellules ovoïdes ont un diamètre de quelques micromètres et qui sont entourées d'une capsule ce qui porte leur diamètre à environ 25 micromètres. Cette levure, disséminée par les fientes de pigeons, peut provoquer chez l'homme des méningites fatales. Des organismes eucaryotes pluricellulaires, c'est-à-dire constitués par plusieurs cellules, peuvent aussi être pathogènes pour l'homme. C'est le cas de ce ver appelé Ascaris lumbricoides. Il s'agit d'un animal appartenant à l'embranchement des nématodes qui regroupe les vers ronds. La femelle adulte de cette espèce mesure de 20 à 30 cm de long, le mâle étant deux fois plus petit que la femelle. Ce vers est un parasite de notre intestin et il provoque une maladie strictement humaine appelée l'ascaridiose. Ainsi, des virus, des bactéries, des levures, des parasites unicellulaires ou des parasites pluricellulaires sont des éléments étrangers à notre corps, on dira des éléments du non-soi. Et ces éléments peuvent provoquer des maladies qui conduiraient à notre mort s'ils pouvaient se multiplier dans notre corps de façon incontrôlée. Cependant, la plupart des infections guérissent spontanément en raison de l'existence d'un système de défense chargé de combattre les agents infectieux. Et qu'on appelle le système immunitaire. L'immunité peut donc être définie comme l'ensemble des mécanismes biologiques qui permettent à un organisme pluricellulaire tel que l'être humain de maintenir son intégrité en éliminant les agents infectieux et les substances étrangères auxquelles il est soumis. Mais le danger pour notre organisme ne provient pas seulement des agents infectieux qui peuplent notre environnement. en effet, le danger peut aussi venir de notre propre corps. Ainsi, certaines de nos cellules peuvent échapper aux mécanismes qui régulent leur prolifération. De telles cellules vont alors se multiplier de façon incontrôlée, pouvant conduire au développement de tumeurs cancéreuses et menaçant alors la survie de notre organisme. Mais là encore, notre système immunitaire joue un rôle protecteur en repérant les cellules cancéreuses puis en les éliminant. Certains cancers peuvent d'ailleurs être traités en activant nos propres réponses immunitaires contre les cellules cancéreuses hein, par une technique qu'on appelle l'immunothérapie anticancéreuse. Cependant, le système immunitaire ne parvient pas toujours à détecter et à éliminer les cellules tumorales parce que certaines cellules cancéreuses hein, développent des mécanismes pour échapper au système immunitaire. Les cellules cancéreuses qui peuvent se former dans notre organisme sont des cellules qui appartiennent à notre corps. On dira qu'elles font partie du soi. Mais comme ces cellules présentent des anomalies, on dira qu'elles font partie du soi modifié. Et la présence de cellules cancéreuses, c'est-à-dire du soi modifié, va déclencher une immunité antitumorale. De la même façon, la présence de cellules infectées par un virus c'est-à-dire de cellules du soi modifiées par l'infection virale, provoque une immunité antivirale destinée à détruire la cellule cible infectée par le virus. Ainsi, notre système immunitaire peut nous défendre contre des éléments étrangers, mais aussi contre des cellules de notre corps qui menacent notre intégrité parce que ces cellules sont devenues cancéreuses ou bien qu'elles sont infectées. Notons qu'en plus de combattre les agents pathogènes et d'éliminer des cellules cancéreuses ou infectées, le système immunitaire joue aussi un rôle dans la réparation des tissus endommagés et dans le rejet de greffes. Au terme de cette première vidéo du chapitre 4, il est temps de répondre en quelques mots à la question posée qui était qu'est-ce que l'immunité L'immunité est l'aptitude de l'organisme à se défendre contre tout élément étranger, c'est-à-dire à se défendre contre le non-soi, par exemple, se défendre contre une toxine bactérienne, ou bien se défendre contre tout élément du soi modifié, par exemple, en détruisant nos cellules infectées par un virus, ou en détruisant nos cellules cancéreuses. Le système qui est impliqué dans cette protection est appelé le système immunitaire. L'immunité peut être subdivisée en deux grands volets qui interviennent successivement. L'immunité innée intervient la première, puis c'est l'immunité adaptative qui intervient ensuite. Et la prochaine vidéo de cette série sera consacrée à l'immunité innée qu'on appelle aussi l'immunité naturelle.